c'est une fresque qui s'appelle Message au monde mutant. Et qui représente du coup trois enfants aborigènes en fait qui regardent vers le ciel et qui regardent en fait bah, leur monde voler en éclats. C'est une réflexion qui est double en fait, qui parle à la fois de, bah, des conséquences de la colonisation, quelle qu'elle soit dans le monde, et à la fois de notre impact, de nos modes de vie sur la nature. Et on a fait un voyage en Australie en fait en début d'année. C'est vrai qu'on a été un peu voilà, percuté en fait aussi par les conditions actuelles de vie de ces gens-là en fait, et du coup on s'est dit que c'était peut-être quelque chose qu'on avait envie d'exprimer ici quoi. Ouais. Au départ, Sandra en fait elle fait beaucoup de portraits. Moi je suis graphiste de métier. Donc, à la base je m'occupe plus de la partie graphique, et on essaie d'associer en fait nos deux pratiques, nos deux univers, en ayant toujours ce point d'entrée qui est l'humain, la différence, la discrimination, c'est des sujets en fait qui nous parlent, qui nous touchent. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'était sur un projet humain et on continue là-dedans, c'est notre ligne directive. Trouver le sujet, le thème, ce qu'on va raconter. Et effectivement, moi à la base, je travaille sur le portrait qui est toujours en noir et blanc, donc déjà on part à partir de là. Et après, on trouve une façon de, ouais, de le déconstruire ou de le composer en tout cas. Par rapport à l'idée qu'on veut défendre en fait. Il y a toujours un message, il y a toujours un peu de la typographie mélangée, des choses assez tranchées en fait, des couleurs assez vives. Et après c'est quand on arrive sur le mur qu'on a déjà notre travail et, qui est in situ au final, sur papier, mais on sait à l'avance ce qu'on va faire. On essaie de s'adapter aussi au lieu une fois qu'on est sur place. Et moi je vais utiliser par contre que le pinceau. Pour les portraits, uniquement le pinceau et tout ce qui est éclat, comme tu disais, de couleur ou autre chose, ça va être la bombe. Et ça, c'est Pedro, c'est sa partie à lui.